Bonjour à tous. Alors, on se retrouve dans un tuto pour faire ce petit Happy Mail que j'ai fait. Alors, je ne sais pas comment on peut l'appeler, un petit Happy Mail. Voilà. Donc là, j'ai mis un petit élastique avec. Là, j'ai mis un bouton. Et donc, il s'ouvre comme ça. Pour l'instant, je ne l'ai pas décoré beaucoup. Je verrai. Et je ne l'ai pas rempli. Je remplirai, décorerai après. Donc voilà, j'ai toujours utilisé cette collection-là. Alors, je ne sais plus d'ailleurs, j'ai vu un commentaire, on me demandait c'est quoi Again Again. C'est celle-là. Voilà, mais c'est une vieille collection. Hein. Je ne pense pas que vous la retrouviez. Voilà, c'est une Pink Paisley. Donc, ouais, elle date. Hein. Je ne sais pas de quoi elle date. 2019. Hein. Donc voilà, c'est vraiment vieux, mais je voudrais en fait la terminer. Donc avec, j'ai fait ça. Il n'est pas fini non plus. Il faut que je le finisse aussi. Voilà, avec j'ai fait ça. Et donc là, je vais faire ceci. Donc dans les mêmes papiers. Donc voilà. Donc ça fait une pochette. Alors ça pourrait faire un petit sac. On pourrait mettre une petite anse pour faire un sac. Mais j'avais pas envie de le faire en sac. Voilà, j'avais envie de le faire comme ça. Donc là, il s'ouvre comme ça, tout simplement. Et après, comme ça. Voilà. Et moi, je ne l'ai pas fermé là. Donc c'est-à-dire que si on le fait tomber comme ça, ça peut sortir là ce qu'on va mettre dedans. Mais bon, c'est un choix, après on peut coller, enfin voilà, après tout est modifiable comme d'habitude. Et dedans, j'ai mis pour l'instant, donc j'ai mis une petite, vous savez, j'ai fait la plastifieuse là, hein, vous voyez, avec des paillettes. Dedans, je collerai des embellissements, donc ça c'est pour la première pochette. J'ai fait pareil pour la deuxième, voilà, avec un petit onglet, voilà. Donc il y aura dans la deuxième. Dans la troisième, j'ai préparé pour mettre dans un sachet qui ira là. Ça sera peut-être une memory dex. Voilà. Et là, je verrai ce que je mettrai. Donc voilà. Tout est prêt. J'ai plus qu'à faire mes embellissements et redécorer si je veux décorer. Enfin voilà quoi. Voilà. Et donc ça fait comme ça. Et en fait, ça fait ouais, comme un petit rangement. Voilà, voilà. Et la fermeture comme ça, parce que je trouvais ça sympa. Voilà, et donc on va en faire un deuxième ensemble. Je vais peut-être changer les dimensions, parce que là j'ai fait une feuille entière 21. Oh, on laisse pareil. 21. Oh. En fait, la dimension, ça fait pas mal, je trouve. Et ça fait... Pourquoi j'avais fait ces dimensions-là? Je sais plus. Parce que j'ai pris les feuilles. Ouais, bon, on va faire les mêmes dimensions. Allez, on est parti. Donc, on va partir avec du papier blanc, comme d'hab. Donc là, il va en falloir pas mal, hein, par contre. J'en ai sorti 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ce qu'il doit falloir. 5 feuilles blanches. Ça en fait, hein, quand même. Hein. Blanche ou une autre couleur, hein. Là, je dis blanc... Comme j'ai tiré autre chose. Donc là, on y va. Donc j'ai pris combien de hauteur? Je me souviens plus. 14. J'ai rien pour la structure du tout. Il m'en faut 2. Si je dis pas de bêtises. 2 ou 3? Non, 2. Donc 14. Alors, on va se mettre là. 14. Et d'épaisseur, j'ai fait 4, je crois. Ouais, c'est ça. 4. Voilà, donc 14 et 4. 14 et 4. Voilà. Donc, je fais un pli. J'ai vu ça sur Insta, enfin c'était pas la même chose tout à fait, mais voilà, ça ressemblait. Et je me suis dit, je vais faire un truc comme ça, un peu comme une mallette, mais je sais pas, j'avais pas envie de faire une anse, pour faire un petit sac, pour changer. Donc ça, une comme ça, et une deuxième comme ça, en fait j'en fais deux comme ça. Donc là, pareil, 14 et 4.
Alors là, je me mets dans l'autre sens parce qu'en fait, si vous voulez, là, non, je me mets dans le même sens même. Il faut faire deux comme ça. Cherchez pas 14 et 4. Vous faites les deux mêmes feuilles. 14 et 4. Hop. Donc on fait deux fois la même chose. C'est tout bête, hein. Et après la structure elle est bien faite, vous voyez, ça va vite. Tac 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 tac. Voilà, donc là vous avez 14, 4, il reste 11 et demi, on va dire. Alors je crois que j'ai recoupé, ça faisait trop. Ouais, ah. Bon. 14, 4, 11 et demi, en fait c'est ce qui reste. Et là pareil, 14, 4, et là du coup 11 et demi aussi. Mais alors du coup j'avais coupé à 11, bon, on verra après. Donc voilà. Et là, tout simplement, vous allez coller ce morceau-là sur celui-là, comme ça. Juste, voilà, bien correctement. Et vous avez comme ça votre structure qui est faite. Donc ça, là, je le colle là-dessus. En fait, c'est vraiment le truc tout bête. Hein. Et après, avec le papier décor, on verra plus comment. Ça va pas jusqu'en haut en fait. Surtout vous allez voir, il y a les pochettes, donc on verra plus rien après. Chlac, chlac, chlac. 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 Et ça. Ah mince, reviens là toi. Et donc là, on le colle comme ça. Plus droit possible. Et ça, on le verra plus après. Ouais, vous allez voir. Voilà. Et bien, une fois que c'est collé, vous voyez, en fait, notre structure est faite. Comme ça. Tout simplement. Donc après, on va faire l'épaule. Là, vraiment, il n'y a rien de plus simple. Hein. Vraiment. Voilà. Et là, on va faire les pochettes à rabat, en fait. Enfin, les pochettes à souffler, on va dire. Et on décore qu'après. Voilà. Donc là, on va faire les pochettes. Donc pour les pochettes, c'est pas dur. Donc moi, j'ai fait le choix dans celui-là d'en faire donc deux grandes. Alors j'en ai fait quatre. Après, parce que j'ai pris 4 cm. Donc je me dis, il faut à peu près 1 cm. Mais vous pouvez prendre que 3 cm et en faire que 3. Prendre 5 cm et en faire 5. Ou alors faire 5 cm et en faire que 4. Et du coup, c'est large. Enfin, c'est vous qui voyez, hein, vous pouvez tout changer. Donc là, on va faire pareil, en fait. Je vais faire deux de la hauteur totale. Une plus petite et une encore plus petite. Voilà, ça fait un peu comme une Lodide, en fait. Ouais, je vais peut-être l'appeler comme ça, une Lodide... Une Lodide... Je sais pas, une Lodide classeur. Je sais pas comment je vais l'appeler. Et alors, si j'aurais mis plus bas, ça, j'aurais pu les laisser dépasser, en fait. Ça aurait peut-être été pas mal, en fait. Non, parce que si après je mets plus bas, ça tombe sur rien, ça, donc ça va avoir tendance à tomber. Non, je vais refaire pareil. Pas de bêtises, je vais refaire pareil. Hein, Adeline, cherche pas à changer chaque fois que tu fais quelque chose. Donc là, on a dit qu'on avait 14, je crois. On a dit. On va faire un petit peu moins de 14, on va faire 13,9. Donc là, c'est pas dur, il va me faire la feuille. Hein. 13,9. 13,9. Chlac, chlac, chlac. Après, vous pouvez coller en bas pour pas que ça tombe. Vous pouvez. Enfin. C'est ce que j'aime en scrap, c'est qu'on peut tout modifier en fait. Donc ça, je vais le garder.
Donc là, c'est ma pochette du fond. Et donc, on fait. Donc des rabats. Les rabats, c'est toujours la même chose. C'est 3. 3 rabats. Donc 1, 2, 3. Moi, je fais des petits trucs de 3, de 1 cm à chaque fois. 1, 2, 3. Et là, en comme ça, ça fait 21 normalement. C'est ça, 21. Sauf que pour être sûr que ça ne sorte pas, il faut mieux qu'on soit un peu en intérieur, on va mettre 20,9. Pour être sûr. Donc 20,9. Et après, on met encore 1, 1, 1. 1, 1, 1. Et là on coupe. Et là on coupe. Donc pour ceux qui veulent savoir, on fait 1 pli à 1, 1 pli à 2, 1 pli à 3, 1 pli à 23,9, 1 pli à 24,9 et 1 pli à 25,9. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc je fais mes plis. Moi, si j'avais une planche à rainurer, je pourrais pas faire les 1 mm comme je fais là. Pour être bien, bien, bien. Et oui. Je suis obligée d'avoir mes outils. Je dis ça, je réfléchis en même temps, je vous parle. Hop. Hop. Et donc après, on plie en accordéon. Schlac, schlac, schlac. Et si on est bien plié, on est bien droit normalement. Pareil, on plie en intérieur, en accordéon, et on plie. Et là, si on est bien droit. Et là, il n'y a pas besoin de couper en biseau, parce qu'en fait, on va mettre du papier dedans. Vous voyez? Là, ça. Je vais tout tomber. Vous voyez, dedans, on ne voit pas. On ne voit pas du tout mon pli, puisque en fait, j'ai mis du papier dedans. Donc, du coup, on ne voit rien. On a l'impression qu'il n'y a rien, quoi. Ça fait nickel. Nickel chrome. Vous voyez, là par exemple, on voit pas du tout là. J'ai collé là, mais on voit pas le papier parce que j'ai mis ce papier là après. C'est pour ça que je décore qu'à la fin, une fois que ma structure est faite entièrement. Donc celui-là, il ira là. Donc vous voyez même ça, le pli là entre les deux papiers, on le verra plus parce que un, on va coller ça et deux, je vais mettre un papier dedans après. Donc là, si je me suis pas trompée et que tout va bien, il va comme ça. Voilà. Donc ça, j'en fais un deuxième pareil. Donc là, c'est la même chose. On a dit 13,9. Schlac, schlac, schlac. C'est marrant, j'ai l'impression de ne pas être droite. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah si, pourtant. C'est moi, c'est un effet optique. Voilà. Et là, donc. Après 21, donc 20,9, et ensuite 1, 1, 1, pareil là, 1, 1, 1, 20,9, et ensuite 1, 1, 1, ça on coupe. Là, on plie.
Un accordéon. Pareil. Un accordéon. Et si tout va bien, on va faire la même taille. J'ai pas fait de bêtise. Impeccable. Donc ensuite, il m'en faut un autre. Et ben, on va prendre dans le bout qui restait pour faire celui du bas. Comme ça, on ne perd pas. On aura usé une feuille en entière. Donc là, on refait pareil. Donc là, du coup, il me reste 7,1. Mais j'ai pris parce qu'il me reste... voilà, c'est le bout de ma feuille, vous voyez. Donc pareil, 1, 1, 1, 20,9. 1, 1, 1. On recommence. 20,9. Voilà. C'est belle. Et on fait les plis. Après, c'est pareil, la hauteur, c'est vous qui voyez, hein. Vous pouvez aussi faire 4 pochettes, 4 grandes pochettes. Hein. Ça fait un peu l'audit en fin de compte. Donc pareil, on fait un accordéon. Voilà. Normalement, s'il n'y a pas d'erreur, je suis pareil. Et donc il m'en faut une autre, j'ai mes deux et là une au-dessus, voilà, j'ai fait comme ça moi. Donc là on prend la dernière feuille, et donc je sais pas combien on prend, on a 7 et on a 14 entre les deux à peu près, 10, ouais 10, allez, 10, donc là je prends 10, une bande de 10, donc ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5 feuilles. Hein. Ça rigole pour vous. 10. Il me restera un morceau pour faire une autre, par exemple. Voilà, ça me restera. Je garde pour faire une autre. Et donc là, on est reparti. Pareil. Et puis après, on fera la déco. 1, 2, 3, 20,9 et 1, 1, 1. Je like. Ouais, c'est tout le temps la même chose. Hein. Franchement, là, c'est pas difficile. 20,9. Hop, hop. Et donc là, pareil, hop, un accordéon. Après, vous pouvez faire des pochettes qui tiennent toutes seules aussi, là. Oui, enfin, après, vous faites ce que vous voulez, en fait. Voilà. Donc là, mes 4 pochettes sont faites. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à les coller. Et là, ce que je fais, pour que ça soit plus simple... Alors, attendez, on va regarder les hauteurs, si ça me plaît, déjà. Ah bon. Ça, ça et ça. Ouais, c'est pas mal. Donc là, je vais sortir des épingles. Hein. Oui, oui, oui. Parce que je vais coller. Et, bah oui, hein, quand on colle, voilà, quoi. Donc, on va coller celui-là, déjà. Donc,
Déjà, je vais les coller comme ça. Alors, je vais les coller d'abord. Je vais coller les quatre ensemble déjà. Et après, je collerai tout sur la structure. Mais comme ça, c'est plus simple. Enfin, je trouve. Voilà, comme ça, j'essaie de coller. De manière à être bien, bien droit. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, comme ça, voilà. Voilà, ce côté-là, comme ça. Voilà, et je colle l'autre côté après. Vous voyez pas trop ce que je fais du coup. Ouais, pour mettre droite, il faut que j'arrive à me mettre voilà bien. Hop. En fait, c'est là en collant là que vous arrivez à bien mettre tout droit. Ça fasse propre. Nickel. Voilà. Donc ça. Donc déjà, celui-là, il est fait. Ensuite, il y a celui-là. Donc, là, pareil. Donc là, je mets la colle. Voilà. Donc ça, ça, et ensuite celui-là. Comme ça, une fois qu'on a tout collé ça, on le colle sur la structure. Mais comme ça, on est là, on arrive à se mettre, vous voyez, bien droit, quoi. Hop là, elle a volé. Donc on est reparti. Donc là, encore de la colle. Après, vous pouvez mettre un comme d'hab, je vous dirais. Ceux qui préfèrent le double face, moi je ne suis pas très double face, mais je ne suis pas contre. J'aime la colle. D'ailleurs, je vous ai pas montré. Il faudrait que je fasse peut-être avec. Ah non, je ferai un autre truc avec. Je suis allée à Action chercher ma colle, parce que vous savez que moi je prends la colle Action. Moi je l'aime bien après. Les goûts, les couleurs, hein, je dirais, chacun son truc. Moi, je l'aime bien. Et donc, du coup, je suis allée à Action acheter de la colle. Et là, je suis tombée sur un bloc. Alors, pour être honnête, j'avais dit que je n'achèterais plus de blocs, hein, chez Action. Puisque, voilà,
Je les utilise très peu. Là, bon, là, je vais faire un tuto avec. Je vais finir avec celui que je suis en train de faire. Mais je les utilise très peu. Mais en fait, celui-là, franchement, je l'ai trouvé magnifique. Mais bon, enfin, à chaque fois, je trouve des trucs beaux. Donc, je craque tout le temps. Mais voilà, bon, j'en ai pris qu'un. Bon, vu le prix, voilà quoi. C'est pas catastrophique. Mais c'est vrai, je n'ai jamais dit que je n'achèterai plus de papier. Quand je suis rentrée, mon mari, c'est la première chose qu'il m'a dit. Il m'a dit, je croyais que tu n'en achetais plus. Non, c'est vrai. Je vais vous le montrer en même temps. Bah, vous l'aurez peut-être déjà vu parce que du coup, le temps que je fasse le tuto, je vous le mette en ligne. Ça sera pas avant la semaine prochaine. Donc le blog, vous l'aurez peut-être vu. Je vais peut-être faire un truc avec pour... Ah, mince. Ah, mince. Trou de mémoire. Elle fait un concours sur sa chaîne 500 abonnés. Voilà, trou de mémoire. Bon, enfin bon, donc je vais peut-être m'en servir pour elle parce que je sais qu'elle aime les arcs-en-ciel et il y a des arcs-en-ciel. Voilà. Donc voilà, et le bloc, je vais vous le montrer du coup. Je le trouve super simple. Alors c'est du papier double et je trouve qu'il est très très joli. Là, il y a les petites étiquettes, je trouve que c'est sympa. Bon, après, il manque de die-cut, mais bon, celui-là, j'aime pas trop. Celui-là, je trouve qu'il est très beau. Celui-là aussi, celui-là, il est magnifique. Très très doux. Allez, les étiquettes encore. Là, j'aime bien. Là, voilà. Un peu moins. Là, j'aime bien. Des rayons. Là, il y a des petits mots. C'est quoi les mots? Ah, ben, il y en a plusieurs différents. Bon, ben, voilà. Là, il est beau. Ça, j'aime pas. Mais bon, là, ça va. Là, il y a encore des arcs-en-ciel. Des étiquettes. Voilà. Pas mal, hein? Je trouve qu'il est... Franchement, ben, là, on a fait le tour. Mais je trouve qu'il est joli. Voilà. Donc du coup, bah, je l'ai pris. Mais j'avoue, je l'ai pris en pensant, je vais y arriver. Hein. Comment ça s'appelle? Séverine. Donc du coup, je me suis dit, peut-être que je lui ferai, je dois lui faire quelque chose pour son concours. Peut-être avec ce bloc-là. Peut-être, peut-être, peut-être pas. C'est moi ça. Donc voilà, bon, c'était... Voilà. Comme ça, je vous montre en même temps. J'ai pris que ça et de la colle. Ah non, j'ai pris un tampon aussi. Oui, bah oui, ce tampon-là. Voilà, je le trouvais joli. Je m'en servirai peut-être pas, puisque j'ai du mal à me servir des tampons. Mais je le trouvais sympa. Donc, je l'ai pris. Ouais. Voilà, bon, c'est tout. Voilà. Aparté, Action. Sinon, je n'achète quasiment plus rien chez Action. C'est très rare. J'y vais très rarement aussi, il faut dire. Je ne sors pas beaucoup non plus. Donc voilà, là on regarde que la colle n'est pas collée partout. Eh bien, écoutez, regardez, pas mal. Et maintenant, eh bien, je colle sur ma structure. Voilà. Et après, j'aurai plus qu'à la déco à faire. Donc là, je le colle comme ça. Tout simplement. Et pareil, je remets mes épingles. Alors je fais en sorte de me mettre bien en bas. Comme ça. Et normalement, en haut, c'est bon. Ouais. Donc voilà, voilà. Bon ben voilà. Je ferai une deuxième vidéo pour la déco peut-être. J'ai prévu de le faire avec un bloc Action aussi. Vous savez, j'ai fait mon porte-tube, là, le carrousel porte-tube avec du papier Action, là, que j'aimais bien. Un papier dans les tons bleu, rose, bleu marine. J'avais pris deux blocs, tellement je le trouvais joli. Donc du coup, ben, je me suis dit, je vais faire mes créas là, en tuto avec. Et puis j'enverrai à quelqu'un, je ne sais pas qui, mais j'enverrai à quelqu'un. Donc là, je les colle bien le long. Voilà, pareil de l'autre côté. Alors, je vais mettre des épingles pour pas que ça bouge, il faut pas que ça dépasse. Donc là, on est bien. Voilà. Voilà, pareil de l'autre côté du coup. Faut que je pousse un tout petit peu. Voilà. Ah, excusez-moi, je vous fais bouger.
Bah, impeccable. Hop. Voilà. C'est finito. Donc là, je vais juste mettre les épingles pour que ça sèche bien. Comme d'hab. Voilà. Je vais juste, voilà, donc juste que ça sèche. Et là, je vais prendre mon papier pour décorer. Donc le papier pour décorer, j'ai dit. Alors, que je vais prendre celui-là. Donc avec, j'avais fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, ce petit portant-là. Voilà. Et du coup, j'ai fait une carte. Je me dis, comme ça, je vais l'envoyer. Alors ça, c'était les fleurs que j'avais déjà commencé à faire pour mettre sur le portant. Je ne savais pas trop, donc j'ai fait la carte. Voilà, au moins j'aurais fait une carte. Là, il y a les petits oiseaux que j'avais déjà découpé, que je vais laisser là. Et donc là, je vais le faire avec ça. Je vais le décorer avec ça. Donc, eh ben, je vais regarder un petit peu comment je fais. Il va me falloir aussi un bouton pour mettre là, comme ça. Et un élastique, si on fait pareil. Et je vais vous montrer comment je fais, du coup. Ouais, on fait ça. On fait le même ouais, on va faire le même système. Donc bah, je vous retrouve dans la deuxième vidéo qui sera la déco du coup. Je vais commencer à préparer un petit peu les papiers peut-être parce que c'est hyper long en fait. Ouais, il faut découper les papiers donc c'est un peu long. Et ben on se retrouve dans la deuxième vidéo pour la déco. Mais en tout cas, la structure est faite. Voilà. Vous voyez. Tout simple. Après, vous pouvez ne pas faire comme moi. Moi, j'ai fait un trou, j'ai mis l'élastique et là, j'ai mis le bouton. Alors, dedans, je ne sais plus comment j'ai fait. Ah oui, j'ai fait comme ça. On voit juste le nœud. Mais vous pouvez complètement faire autrement. Hein. Vous pouvez décider de mettre des scratchs, faire un, je sais pas, mettre une flippette. Enfin, après, vous faites comme vous voulez. Hein. Mais moi, je vais vous faire comme j'ai fait celui-là. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je prépare mes papiers et tout. Puis, ben, je vous retrouve dans la seconde vidéo. Allez, au revoir.